Et bah là, elle a allumé. Allez, t'es pas mal cette intro. Avec nous, il y a Kyo, vous l'avez déjà vu. Il y a le chauve, l'œil du scorpion et il y a Florian. J'ai cru que tu tombais. Non, ça me gratte, moral. Bon, vous avez compris, on est sur un blog urbex. Il y avait de là derrière nous, on a trouvé un lieu abandonné. Alors du coup, on va y rentrer. C'est parti. Bon, là, on se dirige vers un autre spot, on sait pas trop lequel en vrai. On prend la voiture, on roule, dès qu'on trouve un lieu abandonné, on s'arrête et ça donne lieu à des pépites comme ça. Par contre, je suis perdu là, on va où? Là-bas? Bon, bah, allez, hein. La tribu des rouges. Pourquoi? Pourquoi tout le temps c'est corrompu? Oh les gars, je vais y aller à la Kosovar. Hein. C'est parti? Allez, c'est parti. Passé hein. Oh là là, mais la tribu des rouges essaye de se frayer un chemin. T'as trouvé l'eau? Là frérot, il y a ni le feu ni l'eau. Oh. Oh. Compliqué l'urbex. Vous inquiétez pas, on est des professionnels. Rodrigue, épice. Au passage, on a un compte TikTok. Flo vient de faire ce TikTok là. Oh, t'as vu le village, il est bien là, on se gâte. Oh, ça c'était bien ça. Après, tu vas en gauche. À gauche. Oh, la vache. Allez sur TikTok les gars, on est des TikTokers de l'espace, on fait de les danses et tout. Bah allez, on se retrouve dans le prochain urbex, ça fait 15 fois que je le dis cette phrase de merde. Mais le chabit, chabit seul avec maman et papa. Ah d'accord. Bref, on va au deuxième spot d'urbex et il faut traverser tout ce champ là pour à mon avis s'éclater au sol. Mais on va bien voir. Il y a un bon rendu, je pense. Ça peut être vachement decay. Decay. T'as vu, je mets l'accent. Decay, man. Après à peu près un kilomètre, là, commence à voir le spot. Ça a l'air d'être cool. Ouais. Il y a moyen de faire des belles photos de l'extérieur. Allez, on va vous mettre un petit peu les plantes dedans. Par contre, le calme. Tu sais, les bruits des petites mouches. Les oiseaux. Les oiseaux. Même la charpente, hein, il faisait les trucs bien avant, hein, putain. C'est la belle charpente. Ah, putain. Oh, les poutres. Oh,
Elles sont vraiment belles. Hein. Elles sont confortables, on dirait. Oh, elles sont bien. Ah, ça me rappelle mon côté cow-boy. Je sais pas toi, Kyo, mais... Là, j'ai envie de me mettre une petite paille dans la bouche comme ça, là. Avec Jolly Jumper, là-bas, là. Au temps plan, là. Et une... Bon, bah, on va un peu explorer le spot, mais il est pas terrible. Il est pas terrible. Je suis en train de rentrer. C'est bizarre ces empilements de pierre quand même. Et là, on est dans le cœur de la maison, la cuisine. Bon. Oh les gars, vous êtes montés en haut ou pas? Ah, c'est tout vide. Bon. Oh les murs, c'est pas des murs de tafiole. Hein. Oh, le truc. Putain. Oh. Oh putain. Bon, on a trouvé un. Je sais pas vous. Il y a pas une sieste. Oh, je suis mort. Je m'endormais là. Je m'endormais au volant. Et t'as pas vu, Jérôme, tu vois que je m'endormais au volant? Zebby dormait lui là. Je me suis dit jamais on arrive là-bas, c'est sûr je vais tuer quelqu'un. On a trouvé un spot sur la route. En fait, en allant à un autre spot qui n'était pas du tout abandonné. On a trouvé un spot, du coup on va y aller, on va voir si c'est abandonné. Mec, ça ni gueule ni rien. Ça pète, ça s'endort. Allez go. Ah, c'est tout. Oh putain. On a couru comme des putes. Il est où Kyo? Ils sont tirés. Il y a des gens ou pas? Il y a mon maman. Avec sa... Oh, on voit son crâne luisant. Oh, le soleil, ça lui réchoue pas. Ça lui réussit pas, lui. Il va me dire, regarde. Il nous est arrivé une action, on est arrivé là, le sac, il a tapé là, on a fait. Qui c'est? Les gars, on est grave rodave. Mais là, t'es rodave de rodave. Il n'y a pas plus rodave. Ouais. Par contre, ils ont une vue, ces enculés. Elle, c'est celle qui est passée quand nous on passait. À mon avis, elle a fait demi-tour avant de nous engueuler. Je le sens bien, ça. Elle, là. Quoi ? Ah, certain, je sais pas pourquoi. Moi, je suis un mauvais parleur.
Impossible de rentrer dedans. Je vais me péter la gueule. Impossible de rentrer dedans, les gars, c'est fermé. À mon avis, il a déjà été squatté parce qu'ils ont remis des vis par-dessus. Et... ouais, si, on peut rentrer, mais il faut tout casser, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de rentrer sans casser. Bon, bah allez, on repart sur la route et on reprendra la vidéo que si on trouve un spot intéressant. Bon, les potes, on est arrivé sur le dernier spot. Flo, il est juste ici. Kyo et l'œil du scorpion, ils sont là ici. Et c'est le dernier spot de la journée. De tomber sur des pépites comme ça, un peu entre guillemets inconnues de leur bec, comme ça, des petits spots comme ça où ça nécessite pas une grosse vidéo paranormale. C'est cool. Est-ce que vous avez aimé déjà tu peux baisser un petit peu parce que là je suis. Est-ce que vous avez aimé ce genre de road trip? Si vous avez aimé, mettez dans les commentaires, machin là, et tu nous fais percer, tu vois, l'ami. Non, tu es avec Kyo. Ce petit road trip qui s'arrête ici, ce petit vlog, un épisode 3 ou pas? Mettez-le en commentaire si vous voulez un épisode 3. Et en plus, hé, j'ai payé de ma personne sur ce tournage. J'ai tout niqué, je vous mets les vidéos juste là. Vous allez rigoler. Allez, à tchou. Mais des fois ça arrive. Oh, faut que je fasse comme ça. Voilà. Ça c'est un premier trick basique. Il va pas tomber. Ah, c'est chaud hein, enfin. Parce que ça au début, tu dis oh. Deux chassés. Lui c'était pour voir si ça me faisait mal. Oh, tu m'as coupé comme ça un mec, il est mort. Putain les gars. Ah mais c'est du noisetier ça. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai mis le pied là. Faut arrêter avec le McDo, mon copain. Hein? Oh, mon copain. Big Mac. Là, on rentre. On reste tous autour de moi, comme ça, il n'y a personne qui rentre. Ils vont juste voir un mec avec une perche, ils vont dire ouais, c'est des youtubeurs. T'imagines ça craque, oh, j'ai, jusqu'au oh, en derrière là. J'ai ma tub, elle a perdu 6 cm. Alors qu'elle fait 23. Oh putain de merde. On avait complètement zappé qu'on avait un kilomètre à marcher en pleine rue comme ça avec... avec ma tub qui dépasse. Oh l'enculé. Oh mais qu'est-ce enculé celui-là.